fait, c'est Jean-Pierre Vial qui m'a sollicité pour faire partie de cette aventure. Quand on m'a présenté le défi, c'était vraiment tout orienté autour de la thématique de l'eau. Je suis particulièrement sensible à cette thématique. C'est vrai que ça a été le support de ma passion pendant, pendant quelques années, pendant 20 ans. Et donc voilà, c'est vrai que tous les projets qui consistent à promouvoir le respect de l'eau, à essayer de mettre en avant cette chance que l'on a d'être au contact de cette eau et de pas en manquer, ça me fait plaisir de participer à ce genre de projet. C'est vrai qu'avec la fondation Eau Nage et Glace, c'est la première fois que je participe à ce genre de projet. Il n'empêche qu'il y a un certain nombre de projets où les sportifs de haut niveau se retrouvent, que ce soit sur le littoral ou plutôt proche de la montagne. Et voilà, ce qui nous réunit, c'est cette volonté de faire avancer les choses pour le respect de l'environnement, notamment sur la thématique de l'eau, voilà, qui nous est chère. Et moi, j'ai pris beaucoup de plaisir en tous les cas à partager cette passion avec tous ces champions.